à l'affiche de la cinquième saison de Masked Singer, qui a démarré vendredi dernier sur TF1, Michel Bernier n'a pas toujours été la femme rayonnante que l'on peut croiser sur scène. Si est-il une des humoristes préférées des Français et figure incontournable de la télévision. Michel Bernier est depuis vendredi dernier l'une des nouvelles enquêtrices de Masked Singer. La cinquième saison vient en effet d'être lancée sur TF1 avec une tonne de nouvelles personnalités à retrouver sous de facétieux costumes, mais également une nouvelle règle, le prono d'or, qui permet de gagner des points côté jury si on trouve l'identité de la star alors que celle-ci n'a pas encore enlevé son costume. Elle est également aux côtés de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes, continue de jouer sur scène, et occupe une place de choix dans la série La Stagiaire. Mes parents ont connu des très bas financièrement, révèle Michel Bernier, mais la bonne humeur communicatrice de Michel Bernier n'a pas toujours été au rendez-vous. Elle a perdu sa mère en 1985 après son suicide, un drame qui l'a marqué mais qu'elle a refusé de trop montrer. Mon père n'aimait pas la sensiblerie, les larmes. Ma mère était une femme courageuse. Elle raconte à TéléCableSat comment enfant, elle a vu ses parents compter les sous. Mes parents ont connu des hauts et des très bas, financièrement. Une époque qui lui a permis d'apprendre que tout est fragile, les drames de la vie vous renforcent ou vous écrasent. Je suis plutôt gâté. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, je suis très bien entouré. Aujourd'hui, l'humoriste et comédienne se dit fière d'être populaire, je ne fais de mal à personne. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait d'être populaire? Michel Bernier aux anges dans Masked Singer. Dans Masked Singer, Michel Bernier se dit amusé d'y participer, on se plaint toujours qu'il n'y a plus d'émissions de variété à la télé. Masked Singer, si est-il à la fois un jeu et un show. J'ai l'impression que toutes les générations y trouvent leur compte. J'ai toujours été assez multicarte. Il faut dire qu'elle enchaîne les projets. Après son apparition sur TF1, elle tourne déjà la saison 9 de La Stagiaire pour France 3, je ne me lasse pas de cette série. Sur les tournages, on est heureux de se retrouver. Et les téléspectateurs le lui rendent bien, ils étaient près de 5 millions en moyenne à suivre les premières saisons. À lire aussi Michel Bernier, Masked Singer, on m'avait déjà proposé d'entrer dans un costume.